Est-ce que le christianisme, c'est une religion pépé que ont importé sur en Europe et puis ont fourré des sang dans la gorge africain? Ça, c'est une question d'importance. Avant que nous essayions de répondre à la question, ça, quittez d'abord moins situer un cadre côté nous capables vraiment analyser ce qui passé. L'église en Afrique, l'église chrétienne, c'est eux-mêmes qui ont une croissance qui est plus rapide ou capable de dire à travers le monde entier. En 2018, ils ont fait enquête. Enquête a révélé que ou gain 599 millions de chrétiens en Afrique, pendant que en Amérique latine et dans Caraïbes là, ou gain 597 millions. C'est-à-dire que ou gain plus chrétiens en Afrique que dans Amérique latine et Caraïbes. Et au gain 500 millions chrétiens en Europe. Donc tout ça pour montrer non que au gain plus monde capri les bon Dieu, au gain plus chrétiens en Afrique que dans Amérique latine et que en Europe. Donc ça gain tant son statistique intéressant pour monde capri réfléchir. Deuxièmement, yo estimé que sous base croissance ça en 2025 ou pral gen 633 millions chrétiens sous continent africain. Mais en dépit de toute croissance ça, gen un pile monde qui continue jodi a. Y a dit que lorsque un monde chrétien ou particulièrement chrétien noir ou bien chrétien africain, c'est un monde qui épouse une religion étrangère au profit de religion ancestrale que l'ta au détriment de religion ancestrale que l'ta supposé à pratiquer. Et donc en pile fois, yo pa wè le christianisme comme une religion ancestrale, mais au plus wè christianisme comme une religion que impérialiste colon yo té poté en Afrique. Malheureusement, vision du monde ça ou bien façon pour wè réalité ça, li très popularisé parmi en pile intellectuel et des artistes, que ça soit dans Caraïbes là ou bien quelque part en Afrique. Il est vrai que et pendant colonisation hein, pendant effort de colonisation hein, t'es gagné en pile amalgame qui t'est fait dans le sens que monde qui pas nécessairement chrétien mais qui réclame au de l'église, yo t'es fait des actions si vous voulez en bas bénédiction l'église. Donc dans ce sens ça quelque part yo comme te voulez montrer que colonisation hein, ou bien impérialisation hein, son bagage qui marchait ensemble avec christianisme. Est-ce que c'est vrai? Qui ça l'histoire rapporte nous? Ou du moins si c'est vrai que christianisme là son question moderne que lié parce que pas oublier esclavage là son bagage est moderne et contrairement au bagage ancien. Donc si c'est comme ça, jusqu'à qui point que nous capables de retracer le christianisme en Afrique? Donc ces questions ça m'a premier abordé pour que nous capables voir effectivement est-ce que monde qui chrétien aussi des monde qui acculturé vrai dans le sens que rejeter religion traditionnelle comme si christianisme là pas capable une religion traditionnelle. Donc l'extrêmement important pour que nous capables considérer et différents aspects ça yo et dans cadre problématique que n'a traité là. Donc, nous t'apprenons non seulement présenter le fait que le christianisme l'était en Afrique dès sa naissance, c'est-à-dire depuis le premier siècle, mais l'était contribué tout à la défense, à l'expression du christianisme en Occident, en Asie. Donc, dans le sens que je voulais montrer que non seulement christianisme l'est plus africain que l'européen, et l'été contribué, si vous voulez, à l'éclosion du christianisme en Occident. C'est-à-dire que expression que nous gagnons là du christianisme en Occident, en Europe, en Asie, c'est contribution que des chrétiens africains t'aient porté dans le christianisme européen. Et c'est ça que nous avons aimé. Fournit des éléments de preuve dans ce sens ça pour montrer contribution et présence apostolique en Afrique
et montrer comment africain yo yo te contribué dans littérature chrétienne que nous gen jodi a là en occident. Malheureusement, il y a pile monde qui lorsque yo pa konnen bagay sa yo parce que yo pa fait devoir de maison yo, yo pa konnen histoire yo et donc yo répéter après monde sans que yo pa réaliser que christianisme que yo gen là, li pa un produit importé, li pa une religion importée. Mais même Jean si européen yo capable présenter christianisme là comme un bagage qui fait sous sol yo comme une réalité européenne, me voulait montrer que africain capable faire même genre tout africain capable montrer que christianisme là son réalité africaine. Pour qui ça? Parce que il te prend naissance en Afrique en même temps que il t'a prend naissance en Europe. Donc ça est clair et c'est ça que me d'aimer présenter dans cadre yon série et qui pral traiter et question à savoir est-ce que christianisme là li c'est une religion pépé que nous importer de l'Europe. Qui raison qui explique conception erronée ça que christianisme là son religion importée de l'Europe. Dans Caraïbes là d'abord, ou voient que gien pile monde qui wèl comme ça. Yo wè que christianisme là son religion qui importée de l'Europe. Et une religion importée d'Europe, vle di ki ça? Ça le dit que pour eux-mêmes, christianisme là, l'état semblé piler sol africain en même temps que l'époque coloniale. C'est-à-dire que c'était religion conquérant yo que yo te vinn imposer à africain yo. Ça, c'est ça que relé un mythe moderne. Pourquoi? Parce que ou pa joine ça ni dans la littérature ni dans l'histoire que jusqu'au 19e siècle. À savoir que le christianisme l'était entré en Afrique pendant l'effort colonial. Ça son mythe moderne parce que la Bible et l'histoire y racontent un autre récit eux-mêmes. Qui ça y raconté? C'est que l'Afrique t'a joué un rôle majeur dans le déroulement du christianisme dans la Bible. Y en a chercheur et qui cap dirige un centre de recherche sur le christianisme primitif africain, c'est Thomas Audin, écoutez ça le dit. Il dit que si nous éliminons l'Afrique des mémoires chrétiennes, nous pral priver tête nous de nombreux épisodes essentiels pour ça qui concerne l'histoire du salut, à savoir que les enfants d'Israël t'ont retrouvé en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et c'est là que Joseph t'est avant eux. C'est-à-dire que Moïse t'est retrouvé le tout en Afrique, que Marie avec Joseph lorsque t'a couru pour Hérode, qui côté t'est allé en Afrique. Fin de citation. Non seulement ouvre une histoire du dans l'histoire du salut, ouvre que continent africain t'est joué un rôle là-dedans, mais tout dans l'histoire ou bien dans le développement l'église primitive. Wapwen l'église primitive li était imprégnée de l'influence africaine et ça li démontré dans cadre contribution patristique africain. Le m'a parlé de patristique, m'a parlé des pères de l'église dans cadre consensus que ont été débouché sur eux-mêmes en Alexandrie et à Carthage. Et conclusion qui était sorti dans consensus ça, li était permettre nous clarifier des doctrines chrétiennes essentielles particulièrement pour ça qui concernait la nature du Fils de Dieu, la nature de Jésus-Christ. Et donc dans ce sens ça, puis devant moi le montrer que nous pas bien toute clarté ça sur qui est Jésus-Christ, ou relation Jésus-Christ avec papa, si ou pas de gagner contribution des pères de l'église qui étaient des africains. Maintenant, quittez-moi répondre à la question à savoir conception erronée ça et que christianisme là son religion importée d'Europe et qui raison que t'as derrière. Premièrement, ou voyons incapacité de l'Occident, on manque de volonté et que moi-même moi les incapacité de l'Occident à explorer correctement le christianisme historique africain. Qui s'est passé? Il y a gagné des présuppositions, m'a parlé de européens, occidentaux. Yo gen des présuppositions qui fait croire que toute expression religieuse en Afrique est principalement orale. Non seulement ça, pour eux-mêmes, tradition orale yo
yo subjective, yo pas campé sous un yen par rapport à tradition écrite yo qui yo même qui objective. Ça ça veut dire, ça veut dire tout pendant que y a dit que tradition orale yo yo subjective, yo pas réalisé que en pile bagaille que Moïse a écrit dans le livre de la Genèse, gien en pile là-dedans, c'est des traditions orales que Moïse joigne qui transmettent de génération en génération et c'est ça qui exprimé lorsque on regarde généalogie dans texte là, dans texte que Moïse présenté yo. Et donc Moïse recevait tradition orale ça yo et sous l'inspiration de Dieu Moïse composait la Genèse. Donc le wap dit que tradition orale li subjective li pa campé sou rien, c'est yon poids de mesure. Donc pour eux-mêmes et l'expression religieuse en Afrique, li était purement tradition orale, il pa campé sou rien parce que lorsque vous regardez, yo pa joine assez de preuves textuelles, c'est-à-dire assez de textes qui pour ta montrer ou te gon expression religieuse qui était riche en Afrique. Mais ça que vous pas réalisé, c'est que tu as des conflits pendant des siècles, des conflits violents en Afrique, particulièrement à partir du 7e siècle, lorsque l'islam a conquéri et continent. Donc, il n'y a pas réalisé que le ça où tu as pile destruction du premier texte qui existait. Non seulement il y a une destruction texte qui vient combiner à une prédisposition de Européens, de Occidentaux, pour ignorer le passé. Parce que il n'y a pas voulu associer l'Afrique au christianisme. Il n'y a pas voulu ça. À cause de stigmates que l'Afrique gagnait comme pays pauvre et tout ça. Il n'y a pas voulu du tout associer christianisme à l'Afrique. Donc pour eux-mêmes, ils veulent faire nous croire que christianisme là son question son réalité européenne que lié, il pas grand rien à voir à Afrique. Mais malheureusement nous-mêmes n'al couel comme ça tout. C'est-à-dire que n'al prendre un piège joie pour que nous capables éliminer toute influence que Afrique te gain sur le christianisme. Donc ils continuent le peu de textes que rejoignent les pères de l'église africains qui étaient disponibles au Gonzaoudi. Il dit comme ça que lorsque vous considérez calibre intellectuel et père de l'église, qui c'était des Africains, vous supposez que c'est pas africain ou t'es vrai, mais quelque part, vous t'es une origine grecque et romaine, parce que un Africain pas capable de produire un texte dans calibre, ça. Où est préjugé, hein? Donc, pour eux-mêmes, si son bon bagage, les besoins sont en Europe. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous allons prendre un piège, joie. Donc supposition ça qui t'est fait au quoi que pas capable gain texte sérieux en Afrique que Afrique incapable écrit t'est contribué que yo pas chercher explorer texte ça yo pas chercher étudier pour capable comprendre influence Afrique t'est gagné sur le christianisme et c'est ça qui fait ou réaliser que un certain amnésisme la caille en pile africain yo amnésique par rapport à passé yo parce que yo pas connait rien du tout de sa contribution que Afrique gagne sous christianisme et donc ça vient faire que lorsque y a regardé christianisme là, yo wel que son bagage est purement occidental et qui était exporté en Afrique et ça a son mal grave. Deuxième raison en kounia, c'est incapacité africain yo même à explorer le christianisme historique africain. Pour qui ça? Parce que yo entré dans un mouvement réactionnaire et un mouvement afrocentrisme et qui fait quoi que et yo puisque tu as une association entre l'église et l'esclavage et un bagage qui était fait si vous voulez quelque part entre le 14e siècle yo ouais que christianisme c'est lui-même qui était à la base ça yo mais yo pas réalisé que christianisme était existé au 1er siècle par rapport à histoire esclavage qui est entré dans les temps modernes, alors que christianisme dans son bagage antique, yo pas capable de faire dissociation ça, yo pas capable de faire différence là, parce que yo entré dans un mouvement réactionnaire côté a condamné tout bagage qui sorti en Europe, puisque européen yo associé à christianisme et donc yo même yo rejeté christianisme là. Le sort comme ça yo fait. Yo fait ça aurait en français jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour qui ça? Parce que yo vinn opposer tête yo à propre héritage chrétien pa yo.
C'est-à-dire que pendant que Européens l'a réclamé du christianisme, Africains gagnent autant de droits que Européens pour réclamer du christianisme. Mais comme l'y entraîne dans laisser frapper, comme l'y entraîne dans afrocentrisme par rapport à Européens, qu'elle capote lui-même, un eurocentrisme. Donc là, ça, ou vient un clash qui fait côté chaque monde campé sous bord par eux, pendant que Européens l'y associe, l'y prend, l'y réclame de héritage chrétien, ça, Afrique est incapable de faire même gens, mais malheureusement, l'y pas fait parce que l'y considérait que christianisme, quelque part, l'y était contribué, n'en mettait pied sous coup esclave en Afrique. Et donc, ça, son bagage qui grave. Et donc, ça vient mettre l'en situation en conséquence, qui vient de amnésique, j'aime t'ab dire, hein, parce que là, ça, l'ivine perdu de vue, yon fil de l'histoire, l'ivine perdu de vue, contribution que l'Afrique te gagne sur le christianisme précoce, et donc là, ça, l'ivine rejeté propre héritage pâle. Et qui ça vient passer? Qu'on y a là, lorsque on monte son chrétien en Afrique, ou bien un chrétien à Caraïbes là, et l'ivine pensait que son, alors, les mondes, lorsque vous regardez, vous voyez que c'est des mondes qui abandonnent culture au profit de culture colon. Ouais, et dans un sens, vous voyez que c'est des mondes qui, si vous voulez, qui rejetaient identité, ils ont rejeté identité africaine, et au profit de identité impérialiste, là. Donc, c'est ça que fait qu'il y a un pile monde qui même pensait que être chrétien, ça veut dire que c'est pour renoncer à l'histoire, c'est pour renoncer à ancêtres, c'est pour renoncer à culture, et il y a un monde qui pensait c'est quoi ça même que Christ relève pour porter. Et pourtant, lorsque vous entrez dans l'histoire, vous rendez compte que christianisme que nous gagnons amène aujourd'hui, l'été influencé grandement par la pensée chrétienne africaine. Il était grandement influencé par la contribution des pères de l'Église. Et que jodi a, nous pas bien compréhension ça de la personne de Jésus-Christ. Si ou pas de gagner des pères de l'Église africains qui étaient campés pour être capables de défendre les doctrines chrétiennes essentielles. Jusqu'à qui le nous capables de retracer la présence du christianisme en Afrique. C'est question ça que nous débattons jodi a. Présence juive sous sol africain ou capable de retracer depuis plus de millénaires et ceci avant la conquête arabe. Juifio qui t'a fui la Judée, qui t'a fui persécution, yo t'ai retrouvé dans des villes de réfugiés en Afrique et là yo t'ont installé quoi yo. Entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ, Juifs yo qui étaient en Afrique, yo étaient aussi indigènes que africains qui étaient sous continent ça. Cependant, yo pas de jamais renoncer au judaïsme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, même genre avec le christianisme, sont foi missionnaire. Donc juifs yo qui étaient là à cette époque depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, yo étaient continué à faire prosélytisme, c'est-à-dire que baptiser monde dans le judaïsme. Donc monde qui vient converti dans le judaïsme, alors yon nan bagay qui était attiré yo, c'était caractère monothéisme judaïsme là. Parce que pas oublier que ou pas gagner l'autre religion monothéiste, ou te gagner des religions beaucoup plus polythéistes côté monde t'a adoré et le soleil, la lune et les étoiles, toute une quantité de divinités, mais yo était quelque part attiré par cette idée d'un Dieu suprême. Et donc, il y a un pile monde, un pile indigène, qui te rejoint le judaïsme. Maintenant, ou y a des juifs, nous appelons les des juifs messianiques, c'est-à-dire que qui t'attendent le retour de Jésus-Christ. Et juifs, ça, eux, ou venu particulièrement en Égypte et en Cyrène. Juifs, ça, eux, en général, ils ont toujours allé à Palestine, pour que y a l'assister à des fêtes religieuses. Fêtes religieuses, tant qu'au Pâques, tant qu'au Pentecôte, tant qu'au Tabernacle. Et c'est dans le contexte, ça, pendant que y a participé dans fête Pentecôte, y sont un peu partout en Afrique, pendant que y a participé dans fête Pentecôte là, Pierre adressé yo,
Pierre parla avec eux parce que t'es dans un contexte côté où est que monde lorsque l'esprit bon Dieu descend, yo est monde a parlé en quantité langue et il y a deux monde qui t'a pas moqué ou de ça penser que c'est sous yo sous. C'est là ça Pierre t'a pas prendre la parole, Pierre t'a pas dit non, c'est pas sous monde ça au sous parce que monde pas contre soit à 9h du matin. Au contraire, c'est ça que prophète Joël t'a annoncé qui arrivait là et donc Pierre parlait ensemble avec yo. Et le ça ou gen près de 3000 monde qui acceptaient le Seigneur. Maintenant juif ça ou qui acceptaient le Seigneur et qui t'a vivre dans diaspora un peu partout, il était tout à fait normal que lorsque ou retourner dans ville côté ou te sorti en Afrique et que le ça yo tout continuer à évangéliser même gens auparavant yo te qu'on a judaïsé moun donc kounya là yo kop, y a partagé la foi chrétienne et c'est ça que fait ou t'a pral joindre yon présence de christianisme particulièrement en Sirène et en Libye et qui me pral commencer expliquer pour Sirène et Libye d'abord. Sirène c'est une ville réfugiée qui est en Afrique du Nord et son ancienne colonie grecque de la Libye. Libye mentionnée première fois dans la Bible lorsque a parlé de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, si nous songe, c'est moun ça que a été forcé pour te croire Jésus selon Marc 15 verset 21. Mais Simon Cyrène ça son noir que le dit. C'est ça que relé le Simon le noir. Dans Actes 11 verset 19 à 21, où vont des juifs de Chypre et de Cyrène qui étaient allés à Antioche et qu'al prêcher l'évangile. Et là, moi dans premier siècle, oui, moi dans lorsque l'évangile fait commencer, oui. Contexte là, c'est que où t'es gagné en persécution qui déclarait contre les chrétiens, particulièrement vers 41 après Jésus-Christ, et où vin gagné le ça des juifs qui étaient en Palestine et qui ont même ont décidé que y a retourner Cyrène dans ville refuge ça yo pour que yo capable continuer prêcher. Maintenant parmi eux même ou gagné un jeune disciple de Pierre que relé Marc. Et c'est lui-même qui t'a écrit l'évangile selon Marc. Et Marc, lui-même, lui originaire de Cyrène. Et apparemment, il semble que ces jeunes garçons ça, et qui t'a suivi Jésus, lorsque tu es venu arrêter, et qui t'a couru, il t'a quitté radio dans mes soldats, selon Marc 14, verset 51. Maintenant, lorsque nous basons sur des sources africaines, et nous arrivons à conclure que Marc avec Pierre, au cours de voyage missionnaire, yo ont divisé destination yo en deux. Pendant que Pierre lui-même était allé à Rome, Marc lui-même était allé en Alexandrie et c'est là que Marc mourit en tant que martyr. Et donc, ou vin gagner de l'église, ou gen l'église de Rome qui lui-même était conduit par Pierre, fondé par Pierre et ou gen l'église d'Alexandrie qui lui-même était fondé par Marc. Et ceci n'a parlé entre l'an 61 et l'an 63 après Jésus-Christ. Donc, où est depuis qui le christianisme en Afrique? Donc, là, ça nous beaucoup même à priver dans fin premier siècle là. Maintenant, on nous garde deux autres villes encore et côté nous te joignent une présence de christianisme. C'est Alexandrie et Carthage. Alexandrie, c'est une ville qui est fondée par Alexandre le Grand en l'an 321 avant Jésus-Christ. Ville ça que on appelle Alexandrie, ou capable prendre comme la capitale culturelle et un centre commercial entre l'est et l'ouest. À cette époque, où t'as trois grandes villes qui étaient si vous voulez représenter le monde antique d'alors. Ou te gen Rome qui te représente l'Europe, ou te gen Antioche qui te représente l'Asie, et ou te gen Alexandrie qui te représente l'Afrique. Et donc, dans ce sens, lorsque ou vin gen type de ville, ça yo, c'est des villes, comme si nous t'a dit, c'est des poches,
si vous voulez côté l'évangile a fait éclosion. Europe, Asie, Afrique, à partir de Rome, Antioche et Alexandrie. Maintenant, ça vient ouvrir porte pour que premier apologiste chrétien Alexandrio t'es capable yo même influencer le monde entier parce que t'es grand pile interaction entre Rome, Antioche et Alexandrie parce que c'était des centres culturels et commerciaux que on dit. Et c'est ça qu'il faut pral wè que premier l'école catéchique qui pral fait en l'an 180 après Jésus-Christ qui côté le commencer, li commencer avec Alexandrie. C'est-à-dire que premier université que on pral gen dans le monde entier il pral commencer en Alexandrie. Il pral commencer là sous l'influence du christianisme. On l'autre ville tout qui pas sans importance que nous supposé parler de lui c'est Carthage. Et c'est une ville où capable dit qui était levé tête li au niveau d'Alexandrie. Mais contrairement à l'église Alexandrie qui était fondée par Marc qui était écrit l'évangile selon Marc, l'église Carthage là c'est pas un apôtre qui t'est fondé. Cependant, contribution que Carthage t'a gagné dans lutte contre les hérésies, c'est-à-dire contre les faux enseignements, contre les fausses doctrines au niveau de l'église primitive et clarification que ont été fait au niveau de quelques doctrines chrétiennes essentielles et ça a son bagage qui est très significatif. Étendez bien ça m'bra le dire. Carthage, c'est pas Rome non. Carthage c'est premier côté que la Bible t'est traduit pour première fois en latin. Carthage, c'est pas Rome. Premier côté que la Bible traduit pour première fois en latin, c'était Carthage. Et qui côté Carthagier? En Afrique. Après ça, ou t'as pas l'autre traduction effectivement, t'as pas l'autre traduction Jérôme, qui lui-même t'a fait en l'an 382 après Jésus-Christ, qui t'a pas le bon sorti les versions vulgates là. Mais pour première traduction la Bible qui était faite, elle était faite en l'an 190 après Jésus-Christ qui côté elle était faite, elle était faite à Carthage en Afrique. Et donc, au capable le christianisme nord-africain, c'est lui-même qui produit première église de langue latine au monde. Ma pour prendre encore. Première l'église qui fait service en latin qui existait dans le monde entier, il était commencé à Carthage en Afrique du Nord. Donc Alexandrie et Carthage, si vous voulez, à deux villes ça yo, yo représenté, yo fourni si vous voulez 4 sur 8 des pères de l'église. Et ceci au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc 4 pères, 4 piliers de l'église primitive que nous t'ai gagné 4 sur 8 sortis en Alexandrie et Carthage. Qui ça veut dire? Ça veut dire que des Africains. Qui est sorti? Ou t'es gain Clément d'Alexandrie qui sortit Alexandrie. Ou t'es gain Tertullien qui sortit Carthage. Ou t'es gain Origène qui sortit Alexandrie. Et ou t'es gain Cyprien qui lui-même sortit Carthage. Donc, est-ce que nous capables de dire que le christianisme son religion importée de l'Europe, au monde qui parle comme ça, c'est parce qu'on pas qu'on histoire. Dans le prochain épisode là, on va montrer comment non seulement nous avons preuve apostolique pour ça qui concerne la présence d'apôtres sous continent et ceci depuis le 1er siècle et pour montrer comment apôtres ça yo non seulement yo te scellé témoignage par la vie en tant que martyr, mais yo te contribué grandement au développement de littérature chrétienne et de compréhension de doctrine chrétienne essentielle que nous gagne aujourd'hui. En sorte que pour personne pas jamais répéter parole ça, à savoir que le christianisme sont religion importée d'Europe. N'tarin men dans série ça ou bien dans dernier épisode ça présentez-nous des preuves apostoliques et le fait que des pères de l'Église étaient des martyrs que ont été et comment ont été contribué au développement de littérature chrétienne en Afrique. Donc ça qui fait que nous gagnons dette de gratitude que christianisme européen a gagné pour ça qui concerne les patristiques africains, c'est une dette qui immense
et que vous devez reconnaître lui. Non seulement que les pères de l'Église, les patristiques africains, non seulement que ont contribué dans contrer des hérésies pour contrecarrer des hérésies en circulation à cette époque, ils ont facilité tout la compréhension ou bien la clarification de grandes doctrines et ils ont quitté derrière eux. Ils ont héritage de littérature abondante et comme si ça pas suffit, ils ont payé ça de la vie en tant que martyr pour croyance et qui était cher à eux-mêmes. Donc et le nord et le sud jusqu'à présent a bénéficié travail les patristiques africains. Mais t'as connu un détail intéressant pour me dire que qui influence père patristique africain ça a été dans le christianisme. Je pas capable de citer toutes, mais qui t'aime trier sur le volet quelques patristiques africains pour me présenter contribution inestimable. Premier monde d'armée cité, c'est Clément d'Alexandrie, qui lui-même était vive entre l'an 160 et l'an 215 après Jésus-Christ. Clément d'Alexandrie, c'était un écrivain prolifique. Lui-même, avec professeur que le gagne Pantaneus, de monsieur Sayo, yo développé un programme catéchique que organisé dans l'école d'Alexandrie. Et pas oublier, l'école d'Alexandrie, ça, c'est un centre intellectuel le plus important dans le monde antique. Tout le monde connaît l'histoire, cette grande bibliothèque d'Alexandrie qui te prend du feu. Et c'est là que monsieur yo initié l'exploration de relations entre la foi et la raison. Donc, je vous dis, il a fait débat entre la foi et la raison. Monsieur Sayo même a fait depuis au deuxième siècle. Malheureusement, tu as une vague de persécution que l'Église est combinée avec l'État. Et tu as le faire plus tard et que monsieur était obligé de fuir et Alexandrie et pour que l'IPAT retourne. Maintenant, Origène d'Alexandrie. Origène d'Alexandrie, lui-même, monsieur était vive entre l'an 185 et l'an 253 après Jésus-Christ. Origène, c'était premier théologien systématique qui existait. C'est-à-dire que monsieur c'est premier monde qui produit un ouvrage de théologie systématique. Donc premier ouvrage théologie systématique, c'est pas un européen qui écrit, ils sont africains qui écrit. Et monsieur était travaillé pendant plus de 40 ans pour qu'il était capable de produire un texte ancien testament en 6 colonnes et que il était relé Exalpha. Et monsieur, c'est un grand penseur. Et côté monsieur, t'as réfléchi sur la christologie. Et que pendant ce temps, monsieur, t'as fait des réfutations, particulièrement contre Celsus. Et Celsus, lui-même, et qui t'ont hérétique à cette époque. Malheureusement, il a torturé monsieur. Et puis monsieur mourit à la suite de ses blessures. Donc, il mourit à cause de sa foi. Troisièmement, on a Tertullien. Tertullien était vive entre l'an 160 et l'an 220 après Jésus-Christ. Tertullien, c'est un brillant avocat, c'est un rhéteur. Et, attendez bien, oui, c'est Tertullien qui inventait le terme Trinité. Parce que pas oublier, le mot Trinité n'a pas existé dans la Bible. Donc, premier monde qui inventait terme ça, ou bien, alors, on va pas dire premier monde, monde qui inventait terme ça, c'est Tertullien. C'est-à-dire que, jodi, nous pas capable de parler de Trinité si pas de Tertullien, yon africain. Qui t'a inventé terme ça. Et c'est monsieur qui a inventé l'expression Nouveau Testament. Je dis à tout le monde a parlé de Nouveau Testament, sans que vous ne vous rendiez compte que son Africain qui a inventé concept ça. Ensuite, monsieur écrit, ça a relé les apologies. Et ça, c'est plus grand, si vous voulez, revue d'apologétique en latin sur le christianisme qui t'a écrit avant Augustin. Et monsieur était premier théologien chrétien qui a écrit en latin. Donc premier théologien chrétien qui a écrit en latin, le patron européen, le africain. Ensuite, on capable citer Cyprien qui lui-même était vivant entre l'an 200 et l'an 258. Cyprien, c'était évêque de Carthage et monsieur c'est un administrateur et un théologien doué. Et donc monsieur était contribué en pile dans un travail et majestueux que monsieur était fait sur l'unité de l'Église et monsieur tout était mort comme martyr. Maintenant ça c'est des pères de l'Église et pré-nicéens, c'est-à-dire avant le concile de Nicée, mais m'ta premier citer un autre père de l'Église qui extrêmement et si vous voulez et qui extrêmement significatif pour ça qui concernait la foi chrétienne. Il s'agit d'Athanase. Et qui lui-même était vivant entre 296 et 373. Athanase, c'est un diacre à Alexandrie.
Et monsieur, c'était champion ça pendant le concile Nicéa qui était fait en 325, qui t'a prononcé yo, sur la relation qui existait entre le père et le fils. C'est-à-dire que est-ce que le père et le fils sont de même nature ou bien est-ce qu'ils sont de nature différente parce que le fils subordonné au père. Grâce à l'intervention ça que Athanase t'a fait, jodia, nous gagnons plus grande clarté sur la relation entre le père et le fils. Donc, effort patristique africain, yo, ça mérite une reconnaissance. Donc, lorsque nous avons dit que le christianisme est une religion importée d'Europe, non seulement ça n'est pas factuel, mais nous avons fait du tort à toute une tranche d'histoire. Et nous faisons tort à tête, nous tout, en tant que monde qui est descendant africain. Donc, le, ça nous nie contribution, nous, dans l'entreprise, et ça a créé le christianisme, et que c'est pas une entreprise européenne, dit pas, non seulement, dit pas une entreprise africaine non plus, mais cependant, faut que nous reconnaître cette contribution inégale et inégalable des patristiques africains pour ça qui concernait le christianisme. Maintenant, deuxième réalité, mesdames et messieurs, c'est comment reconnaissance ça, lorsque nous t'as reconnaître et influence monde ça yo, influence patristique ça yo, comment ça capable contribuer pour que nous façonner la culture au niveau des Caraïbes et au niveau de l'Afrique. Mais avant qu'il t'aime faire quelques considérations, parce que réalité c'est que lorsque Arabio yo envahi l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, ça que relait le Maghreb au 7e siècle, lorsque on fait ça, quantité chrétien dans zone ça ou t'apprend diminuer de manière considérable. Il y a un pile là où que t'es expulsé et t'es gon vague de persécution que l'islam t'es imposé contre les chrétiens et où t'es tué un pile là où. Et en l'autre réalité tout t'es gon un pile mesdames coptes, c'est-à-dire que des femmes égyptiennes et qui ont même été épousé des musulmans et qui si vous voulez t'apprend fait que et Égypte t'apprend dominé particulièrement par l'islam et ça pas t'apprend prend un pile temps pour que Arabio yote imposé l'islam à tout peuple conquis en Afrique yo. Et c'est ça que t'as pral poussé un historien qui rele Curian, qui t'as pral dit que l'arabisation des peuples au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était si complète que même jusqu'à aujourd'hui, les Berbères, les Égyptiens et les Libyens et les Phéniciens se considéraient comme des Arabes sémites. Fin de citation. Elle a dit que monsieur descend, monsieur islam, yo descend en bas, monsieur musulman, yo fait une arabisation de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que yo imposé culture, yo, jusqu'à ce que moun, dans plusieurs territoires conquis, yo pas même t'es capable de tête, yo, autrement que des Arabes. Donc, malheureusement, pour quelques moun, yo, ouais, que l'islam, son religion traditionnelle que lié, alors que son religion qui est entrée en Afrique au 7e siècle. Mais mes amis, si l'islam capable de considérer comme une religion traditionnelle, alors que lié entrée en Afrique au 7e siècle, et que dire de christianisme lui-même qui est en Afrique depuis le 1er siècle? Donc, c'est-à-dire, faut que nous cohérents dans la question, yo. Parce que je dis à tout le monde a dit que faut qu'il retourne dans religion ancêtre, si yo, parce que c'est pas vaudou, c'est islam. Comme si c'est seul, ça a rien comme alternative. Alors que l'islam entrait au 7e siècle. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit de vaudou, vaudou sont religions anciennes que liées. Ou capable de dire, c'est des pratiques qui t'ont fait même depuis en Mésopotamie, côté monde t'a pas adoré, des divinités, etc. Mais pas dit que le christianisme, lorsque l'y entré en Afrique, donc c'est une imposition que l'y a africain, yo, l'y pas capable de ça, puisque c'est africain qui t'a contribué à la forme que l'y a, que européen a utilisé aujourd'hui. Donc, comprendre que christianisme, là, l'était sous sol africain depuis au moins 2 millénaires, capable d'aider nous, gagner l'autre perception de nous-mêmes en tant que chrétiens. Donc, nous pas des mondes qui renoncent à culture, non. Nous pas des mondes qui renoncent à religion ancestrale, non. Parce que le christianisme, l'est capable de considérer tout comme une religion ancestrale parce que l'est gagné 2000 ans depuis le Chitakol en Afrique. Il est vrai que l'été subi des revers au 7e siècle avec invasion arabe là, avec arabisation ça, mais cependant, l'idoué considéré comme une religion
ancestral au même titre que l'islam, puisque il était là avant. Et donc ça, c'est tout à fait logique. Et il y a des monde qui pensaient que les chrétiens, c'est des monde qui acculturés. Donc, il y aurait que, pour eux-mêmes, c'est uniquement le vaudou, et dans une certaine mesure, l'islam, qu'ils sont capables de présenter comme religion traditionnelle de l'Afrique, et religion qui t'a pratiqué depuis la nuit des temps. C'est comme si, lorsque colons sont venus, et colons, c'est eux-mêmes qui étaient portés pour mon yo, le christianisme. Non, tel n'était pas le cas. Le christianisme était en Afrique avant colons sont venus. Colons ont débarqué en Afrique au 14e siècle. Le christianisme est en Afrique au 1er siècle. Donc, l'extrêmement important pour que différence ça que nous capables de faire, et pour que lorsque un monde sont chrétiens, et pour que l'y pas ouais, que, et t'es une imposition que t'es faite, et à lui-même, et à chrétiens, ou à noirs, ou en Afrique, y'a t'es imposé le christianisme. Non, ça sont bagailles qui sont contrefactuelles. L'y pas historiquement exact. Que yo te contraigne africain yo à accepter le christianisme, même gens ça t'est fait lorsque yo te prend des esclaves, lorsque yo te prend des noirs en Afrique, yo mené yo dans colonie yo au 14e siècle, 14e 15e siècle, et le ça yo imposé yo entrer en dans l'église. Ça son réalité qui factuelle, ça c'est ça lié. Mais dire que le christianisme son religion et importé d'Europe, ça li contrefactuel. Dans la mesure où le christianisme africain primitif, le christianisme, si vous voulez, l'était présent en Afrique en même temps que l'a déployé tête-li en Europe. Et non seulement ça, l'était grandement contribué à l'expression christianiste que nous connaissons en Europe. Donc, chrétiens qui en Afrique et qui dans les Caraïbes, ils n'ont pas besoin de sentir tête comme des mondes qui abandonnaient leur ascendance, qui abandonnaient originaux parce qu'ils ont embrassé le christianisme. Christianisme n'est pas une religion importée d'Europe. Non seulement christianisme sont capables de retracer sur le sol africain depuis le 1er siècle, mais lorsque vous regardez la contribution des patristiques africains pour la formation de la foi chrétienne, donc et l'Europe et le reste du monde, nous gagnons dette envers l'Afrique. Pour ça que l'Afrique contribue à nous-mêmes. Malheureusement, il y a un pile monde qui pas connaît le christianisme historique et qui pas connaît l'histoire, et à chaque fois qu'il a présenté le christianisme comme une religion importée, le ça il a senti que ça a ébranlé, alors que vous pas réalisé que son mythe que a vendu et que bagaille ça il pas existé véritablement, il pas factuel. Et c'est ça que nous avons responsabilité dans l'église pour que nous apprenions l'histoire, pour que nous apprenions l'histoire de l'église, pour que nous apprenions l'histoire des civilisations. En sorte que lorsque le monde vient devant nous avec Fab, nous sommes capables de faire même genre avec Paul, qui était dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, nous démolissons les arguments et toutes les prétentions qui s'opposent à la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc je dis à l'église, il y a une responsabilité pour démolir mythe ça, selon lequel le christianisme est une religion importée d'Europe. Parce que Féo, yo disons l'autre bagay. Féo pas montrer que christianisme c'est européen porté en Afrique. Féo montrer que christianisme l'était commencé en Afrique depuis le 1er siècle. C'est-à-dire que pendant l'a développé en Europe, l'a développé en Afrique. Parce que c'est ça Christ est bah disciple comme mission, aller partout le monde. Et donc là ça a besoin réaliser qui ça s'était passé dans l'histoire. Et donc, chrétiens, nous avons besoin d'éduquer nous pour ça qui concernait l'histoire chrétienne, l'histoire de la foi, l'histoire de l'Église. Non seulement ça permet que nous restaurer la vérité, mais ça rétablit confiance nous en tant que chrétiens africains, en tant que chrétiens caraïbéens, pour que nous soyons capables de répondre de manière factuelle et objective lorsque monde yo mettait en défi racine africaine nous. Et donc nous avons besoin fait série ça ensemble avec nous pour que nous t'es capable clair sur mythe ça, à savoir que le christianisme c'est une religion importée d'Europe et imposée aux Africains. Tel n'était pas le cas. Colons ont entré en Afrique au 14e siècle, le christianisme est en Afrique depuis le 1er siècle. Et c'est pendant période ça, premier, deuxième siècle et début troisième siècle, où t'es des pères de l'église qui t'es grandement contribué à façonner
le christianisme tel que nous connaissons aujourd'hui.